Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux aujourd'hui les frérots de vous retrouver. On est ensemble aujourd'hui sur du iRacing. Alors c'est ma deuxième tentative de record. Quelques petits problèmes rencontrés entre Action Mirelis et iRacing. Du coup je suis en triple screen, je suis en mode fenêtre, fenêtré, puisque c'était apparemment le seul moyen de pouvoir capturer que l'écran central pour ne pas capturer les deux qui sont sur les côtés, sinon ça donne une sale résolution pour le rendu. Du coup là on est sur un circuit ovale, une espèce de course de NASCAR, 25 tours, et là on va se faire tout simplement les qualifications. Et je viens de voir que le siège est beaucoup trop près, et on va se faire je suis pas le plus habile en NASCAR, mais j'aurais pas le temps de boucler un tour. C'est marrant parce que le volant est déjà incliné sur le côté, à croire qu'on a déjà des dégâts. J'en ai fait une hier. Ça, c'est fun. Moi, j'espère que tout record. Il y avait des sacrés dégâts tout de même. Avec le track hier, c'est assez compliqué. Parce que j'ai plus les mêmes repères que hier, puisque hier je l'avais pas. Mais le poids de la bagnole, putain, ça s'arrêtait net. Bon, je dois commencer, je pense, parmi les derniers. La safety car qui va bien. Ouais, donc 25 tours. Tout à l'heure, j'étais en... Tout à l'heure, j'étais en MX5. J'ai fait la course commentée et tout. Et au moment où j'étais sur Action Mirelis, j'ai pu voir que l'image était verte. On voit ma tête, mais on voit pas le gameplay. Du coup, j'ai trouvé une petite session en NASCAR là. Chevrolet, espèce de pick-up. C'est quand même pas mal bien animé. Moi, j'espère que tout record, parce qu'honnêtement, c'est la merde. Chaque fois des problèmes lors du record, c'est chaud. J'espère toujours que tout fonctionne, à chaque fois en plus je me fais avoir. Je sais pas pourquoi, dès que je démarre mon PC, il met en priorité le son de mes écrans. Et un micro, une entrée micro qui me permet en fait de record des sons avec As You For All. Espèce de programme qui me permet de réduire la latence dans mes systèmes de prod. Alors que je les désactive, je les enlève, je mets ça en priorité. Wow. Nerveux. Donc du coup je vérifie à chaque fois avant de commencer à record que tout est bien. Putain, low rider le mec. Il a du son carré dans son poste ou quoi? Fais tourner poteau, Florida. Putain, ça a pas de frein en tout cas. Hein. Je suis pas passionné moi par les NASCAR. Ah, chacun son truc hein. Moi je dois rester derrière ce mec, mais... Faut rester derrière la voiture 28. Catch, attrape. Numéro 28, elle est devant moi ou... Je vois rien. Putain, mais voilà le ping qu'il doit avoir ce mec. Let's go! Putain, il va être problématique à dépasser ce mec là. Oula! Putain, ça commence fort. Il a un joint de culasse, le mec.
même le mec, il s'est craché tout seul devant. Essayer de rester concentré parce que vous voyez que ça tape très très fort. Ne reviens pas sur la piste. Putain, j'ai eu chaud. Putain, le poids de la bagnole sur le volant, mon frère. J'ai l'impression que le volant il est déjà... une crémaillère de direction qui est morte, mais en fait non. On entend en plus le bruit et on le sent sur le volant quand l'arrière est prêt à décrocher. Il y a vraiment un public bien spécifique hein, pour la NASCAR. Il y a vraiment les fans, mais moi je suis pas. C'est vrai que c'est pas mal, tu regardes une fois, mais suivre comme si tu suivais la F1, non, j'ai du mal. Bon, on rattrape le peloton là. C'est le mec de tout à l'heure en plus, Florida. Il fait peur lui avec sa connexion. Il roule en crabe le type. Face à gauche. Frère, à un moment donné, il va falloir payer l'intégralité de ta facture. Hein. Il a pas eu hein. Non, c'est grave quand même. Ceci est effrayant. Vous avez pu remarquer, j'étais avec le Delan Clip, alias le track hier. Et franchement, il fonctionne très très bien sur iRacing. Du coup, on est équipé en circonstances. La prochaine course, je pense, sur iRacing, je vous la présenterai en réalité virtuelle. Laisse-moi passer. J'avais peur qu'il me... Hein, qu'il m'arrache un morceau de carrosserie. Je sais pas si je fais bien en fait. Si mes trajectoires sont bonnes. C'est Florida encore ou pas? Il fout la merde partout. Là. Je te jure, pied au plancher. Hop. Propre.
Ça, ça fait les bras, hein. La tenir constamment là, tu vois. Je vous jure que y a une force de malade qui est exercée sur le volant pour la tenir. C'est épuisant, tu te fais juste le bras droit par contre. Alors rattrape pas tout doucement. Je sais pas combien de temps je suis. Ah, il a ralenti ici. Ah, frère, moi, pied au plancher, sans hésitation. Rattrape le salaud. Tour. Putain, j'ai vu le mur arriver, mon frère. De ralentir, hein. Hop, il me fait quoi lui? Putain, ils m'ont perturbé. Oh putain, je pensais que ça passait. C'est physique, hein. Il y a plus que 5 tours là. Oh. Non, 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 non. Ah, putain.
fait peur. J'ai senti l'arrière décrocher. J'ai cinquième. C'est pas mal pour avoir commencé parmi les derniers. Je le prends assez large. Putain, au moment où j'attaque le dernier tour. Putain, le salaud il m'attaque au dernier tour là. Ah le salaud. Bien joué. Putain, il m'a attaqué au dernier tour. Franchement c'est hyper physique hein. De fou. T'as la boule qui ressort carrément sans même contracter. Non franchement c'est assez fun. C'est envoûtant le truc parce que comme t'as constamment le bruit à haut régime dans les oreilles et que tu dois rester constamment concentré, le fait que ça tourne en rond, ça donne un petit peu le tournis mais tu dois pas perdre si ce n'est une demi-seconde de concentration sur l'intérieur de tes virages et ce qui s'ensuit. Donc j'espère en tout cas que cette session vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. C'est la première fois que je propose la NASCAR. Et ça s'est fait sur iRacing, histoire de grimper un petit peu mon ratio. Donc encore une fois, n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite session vous aura plu. Là, j'étais en triple screen avec le Talent Clip. C'était un réel kiff. J'espère que vous avez kiffé autant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Peace.